À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Djoléo. En débutant cette édition à Kinshasa, où le président de la RDC a échangé avec une délégation sud-africaine conduite par Nosivine Nampasa Ngakula, ministre sud-africaine de la Défense et des Armées. Leur entretien en tournée essentiellement sur la coopération militaire entre le RCA et la République démocratique du Congo. Toujours à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience les 85 sénateurs de l'Union sacrée de la nation. Cette première rencontre a permis au chef de l'État de féliciter de vive voix ses partenaires de la Chambre haute du Parlement pour leur courage politique en s'engageant au sein de l'Union sacrée de la nation. Plus de précisions, suivez. Ils sont au nombre de 85, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduits par le président de leur chambre modeste, Bahati Lukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimuts aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation, parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI, et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023, il faut que nous y arrivions à temps, sans fioritures, sans bavures, et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupé par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vis dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès de sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo par des cotisations à la part retenue à la source. Pendant 3 mois, chaque sénateur a consenti un retrait l'équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1,500 en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Toujours dans ce registre, le président de la Commission de l'Union africaine était hôte ce samedi 5 juin 2021 à la Cité de l'Union africaine du président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. La séance de travail ayant sanctionné cette rencontre a permis aux deux personnalités de faire le tour d'horizon de la situation politique, sanitaire et sécuritaire du continent. Quittant Kinshasa, rendons-nous au nord Kivu. Aussitôt arrivé, le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde a visité les installations de l'OVG à Goma avant d'aller présider tour à tour la réunion avec le partenaire humanitaire œuvrant à Goma et la cellule du Conseil de sécurité. Suivez. Une fois à Goma dans le Nord Kivu, le Premier ministre s'est rendu à l'observatoire volcanologique. Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge voulait s'enquérir auprès des responsables de l'OVG du comportement volcanique, des mouvements sismiques et des conditions de travail dans ces centres. Les chefs du gouvernement a eu droit aux explications des experts et du directeur général de l'OVG sur les fonctionnements de ces centres et de surveillance volcanique. Le Premier ministre a promis de prendre des dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'Observatoire volcanologique de Goma. Le chef de l'exécutif national avait à sa suite les députés nationaux élus du Nord Kivu et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'exécutif national a par la suite évalué avec les ONG et les humanitaires les besoins des sinistrés et des déplacés de l'éruption du mont Nyiragongo. Nous apprécions le travail qui était fait par les humanitaires sous la coordination du gouvernement, et nous sommes venus poursuivre les discussions avec les humanitaires quant à la coordination à faire au vu de la possibilité du retour des populations qui se sont déplacées ici dans la ville de Goma. Toutes ces opérations se font dans un état de siège et qu'il était important que nous puissions aussi aborder des questions sécuritaires mais aussi sanitaires au moment où nous avons une troisième vague de Covid-19 aux portes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, Diego Zoria, s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'une session de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation. Avec le gouvernement va planifier la phase du retour et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à faire leur part. La mission du chef du gouvernement à Goma, c'est aussi pour planifier les retours dans de bonnes conditions des déplacés dans leurs milieux respectifs. Une réunion de sécurité avec les autorités commises à l'état de siège a bouclé le premier jour de travail du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge à Goma dans le Nord Kivu. Les opérations militaires sur terrain et la gestion de la catastrophe causée par l'éruption du volcan Nyiragongo ont été passées en revue. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a demandé aux parties prenantes de s'impliquer davantage pour le bien-être de la population. Provinciale des affaires sociales d'IVAS, les comités internationaux de la Croix-Rouge et le partenaire de la protection des enfants travaillent en étroite collaboration et coordination dans les cadres de l'identification, l'assistance et la réunification des enfants. Toujours dans le Nord Kivu, des présumés rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda ont signé une incursion la nuit du dimanche 6 à lundi 7 juin dans la localité de Kiserungu, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Kiwaja, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Forces armées de la RDC ont pu repousser cette attaque. Lors de cette opération, un élément FDLR a été tué et son arme a été récupérée.
Quittons Nord Kivu pour les bénis. Deux civils ont été tués dans la mi-journée du dimanche 6 juin 2021 dans l'agglomération de Samboko, Shani, contrée située à une dizaine de kilomètres dans la localité de Maïmona, à la limite entre le Nord Kivu, l'Ituri. Les victimes sont du territoire de Beni à Ocha, d'après la société civile locale, loin de cette partie du territoire. En localité des Maïmona, plusieurs personnes ont été tuées la semaine dernière et autres sont portées disparues. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Léon Jolion.